t'as 2 minutes pour nous montrer ce qu'on va pouvoir faire. Oui, bien sûr. Alors ici, là, comme tu peux voir, c'est notre espace commun. Alors c'est idéal pour accueillir les gens, pour montrer un peu à quoi ressemble notre espace, peut-être déjà expliquer ce que c'est le Impact Hub. Ouais, on va faire ça. Il y a plein de gens qui ne savent même pas, parce que ça fait pas si longtemps que vous êtes à Genève en fait. Non, ça fait justement une année. On va fêter notre premier anniversaire le 30 juin. Et vous êtes tous invités de venir, bien sûr. On prend note. Le 30 juin au Impact Hub à Genève. Il y a un nouveau escalier parce qu'on fait l'extension à l'étage. Alors ça aussi, ça sera prêt le 30 juin. Ici, vous pouvez voir des produits que nos membres ils font. Et puis vous pouvez aussi acheter si vous avez des pop-corn. Et alors on certifie nous personnellement que les pop-corn sont hyper bons. Donc il faut venir les. Les peanuts et almonds sont incroyables. Ouais, ça c'est une question de goût. Moi j'aime bien les crèmes aigres et black pepper, mais bon, ça c'est. Okay. Donc ici on va simplement avoir tout ce qui est discussion comme toujours en fait. Très bien. On va utiliser cet espace. Vous voyez les gens, ils sont là, ils discutent. Là il y a dans les vidéos que j'ai fait. Peut-être qu'on va faire de la séance dès que je vais sur le. Oui. Dimanche on va d'abord faire une séance d'équipe. Avant que la personne arrive, et puis on va être 8, donc on arrive à mettre 8, 12 personnes, et c'est plus un écran, donc on peut préviser, c'est parfait. Ouais, ça c'est notre boardroom, alors c'est ouais. Vraiment fait pour tout est équipé, ouais, exact. Les meetings d'équipe. Ouais, c'est plus grand que le Stadium Room aussi. Hein. C'est plus grand que le Stadium Room. Elle marche à son Elle marche. On espère que le 5 juin on n'en aura pas besoin, mais bon, on reste en Suisse donc peut-être que, au cas où. Allez! Tu nous montres le binage qu'on a mis il y a une fois. Ce que je pourrais faire aussi, c'est qu'on va projeter les films, les first spots. Ouais. Un petit film par ouais. Spot. Ouais. Et ça serait bien de les montrer. Alors là, ça serait parfait dans le grand salon, par contre, maintenant il y a encore des gens qui travaillent dedans. Ouais, on va chuchoter. Ouais. Là, c'est le grand salon alors. Ouais. Il est super grand. Il est top ce truc, j'adore. Là, et puis ici, on a le droit de parler à nouveau. C'est insonorisé, donc on peut hurler. Presque insonorisé. Presque. Ouais. C'est la brainstorming room. Alors. Ici, par exemple, vous pourriez afficher la carte Suisse, ouais. Avec tous les fair spots que vous avez visités. Ouais. Là, le papier est bon, vous pouvez facilement l'enlever. Oui. Il est juste là pour que les gens l'utilisent pour dessiner leurs idées. Vous voyez, jusqu'à maintenant, il y a encore très peu d'idées. C'est la première idée qui est. Exact. Une fois qu'il y en aura une, ça donnera l'exemple pour les suivantes. C'est ça qui manque. Il manque la première personne qui écrit quelque chose. Hop. Moi, j'aurais pensé que tu allais mettre hashtag FairSpot, mais ah, oui. Merci. Bon, elle prend de la place, Julia. Hein. Elle a déjà. Mais c'est pas grave. Il y a un peu de lumière. Qui... Ouais, donc ici, je pense qu'on va faire des interviews. Parce que, bon, il y a des cinéastes. Il y a la lumière de ce côté-là. Ah oui, c'est on pas peut mal, être, en fait. On sur ses chaises, ouais. Debout et tout. Ah, c'est fait pour, en fait. C'est parfait. Et on est au calme, entre les deux, entre le grand salon et puis la. Ouais. Le petit salon. Et le petit salon. On a aussi imprimé des photos de chaque fair spot. Oui, peut-être qu'on peut les mettre ici. On peut, oui, vous pouvez les afficher là. Vous pouvez vous montrer l'imprimante. Ouais, on va regarder tout ça alors. C'est très bien, les afficher ici. Oui. Quoi que c'est.
sur photo. Ces photos, on va les enlever, comme ça vous pouvez mettre. Ok. Si vous voulez, sinon on met par-dessus. Ou... Non, de toute manière, on va les enlever parce que les pièces vont être faites reprendre la semaine prochaine. La semaine prochaine ? Avant ? Ouais. Donc il faudra faire attention à ne pas marquer des hashtags faire spot sur les murs blancs. C'est ce week-end que ça va. Ok. Alors on va. Mais pour la semaine prochaine, ça serait. Ouais, on va les fixer avec les. À ta fille. Ouais, un truc. Là, il y a l'imprimante. Ça aussi, je peux vous montrer tout à l'heure. Ici, il y a les. Pour le changer. Ouais. Ok, donc on peut changer nous-mêmes en fait. Ouais. Et puis après, on te paye en fait, ce qui est marqué sur la machine. C'est ça, c'est super. C'est comme ça. Tu presses ça. Ouais. Après, il y a ce tiroir à prendre. Il faut évidemment avoir fait 10 ans d'études pour réussir à utiliser l'imprimante ça, de manière sûr. Adéquate, comme toujours. Et puis c'est là où il y a un truc qui sort. Ok, mais ça c'est super de pouvoir imprimer les premiers. Et donc là... Le dernier, c'est le study room. Study room. Pour les gens studieux. Ouais, je pense que ça sera juste s'il si y a vraiment... S'il y a deux interviews en même temps ou quelque chose comme ça, c'est un peu votre salle de... Certains l'appelleraient le bocal. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis c'est vrai que c'est pas mal pour les groupes qui veulent s'entretenir, même si c'est pas un meeting, et que t'es juste trois personnes et que tu veux vraiment bosser ensemble et que tu vas parler et tout, c'est parfait. Et puis les tables, un peu aussi les objets et tout. Bah c'est super. Tout est très flexible au Impact Hub en fait. Tout est très flexible, c'est ça. Et en plus, il y a les cabines de. C'est en création, vous voyez. Ouais, il y a plein exactement. C'est pas encore tout à fait fini. Ouais, il y a des petites imperfections dans l'espace. Les cabines, je les ai jamais utilisées, mais je trouve qu'elles ont un charme particulier pour téléphoner, elles sont cool. Particulier, ouais. Peut-être pas comme les cabines téléphoniques à Londres, mais. Non, mais elles sont sympas, c'est super pratique. On travaille dessus. Ça, c'est sûr. Bah, bien, on va dans le brainstorming room et puis on va te poser quelques questions sur. Ouais, vas-y.